Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire ma recette de lessive au savon de Marseille, mais cette fois-ci, non pas liquide, solide, c'est-à-dire en dosette. Alors pour cette recette, il vous faudra bien sûr des copeaux de savon de Marseille ou des copeaux de savon d'Alep, c'est au choix. Un moule de préférence en silicone pour avoir plus de facilité pour démouler vos dosettes. De l'eau et bien sûr une casserole. Alors pour réaliser cette recette, c'est très simple, c'est à peu près la même base que la recette que je vous avais faite pour la lessive liquide, sauf que là on va avoir vraiment une recette beaucoup plus concentrée afin que ça se solidifie. Alors vous commencez par faire bouillir 500 ml d'eau, dans laquelle vous allez rajouter 5 cuillères à soupe de copeaux de savon de Marseille, soit de copeaux de savon d'Alep. Alors il faut savoir que moi j'utilise du copeau de savon de Marseille qui est directement enrichi de bicarbonate, puisque le bicarbonate, comme je vous l'ai déjà expliqué, est un très bon détachant et qui en plus de ça est parfumé au lavandin. Alors si vous n'avez pas la même lessive que moi et que vous avez des copeaux de savon de Marseille ou d'Alep classique, je vous conseille déjà de prendre des copeaux de savon non glycérinés pour éviter d'encrasser votre lessive et donc de rajouter ensuite une cuillère à soupe de bicarbonate pour le côté détachant. Et pour ceux qui ont des copeaux de savon neutres, c'est-à-dire qui ne sont pas parfumés, si vous souhaitez le parfumer, il suffira tout simplement de rajouter soit des fragrances, soit de l'huile essentielle au choix et d'en rajouter à hauteur de 20 gouttes. Donc on laisse bien bouillir et bien fondre nos copeaux vraiment jusqu'à obtenir un mélange vraiment liquide et homogène. On remplit ensuite nos moules avec le mélange chaud et non froid parce que sinon il aurait durci. On remplit nos moules et on va ensuite les mettre au frais. Je vous conseille de les mettre au réfrigérateur une bonne nuit pour vraiment que les dosettes se forment bien et qu'elles soient bien dures. Voilà, donc là on arrive à l'étape du démoulage et on voit que notre mélange est devenu beaucoup plus opaque. Effectivement, le savon s'est solidifié et on obtient donc nos dosettes de lessive. Voilà, alors bien sûr ça reste du savon, donc le but c'est justement c'est qu'il fonde dans la machine. Donc ne le laissez quand même pas à la chaleur, hein, mettez-le vraiment à l'abri, dans un endroit frais ou même au frigo, pourquoi pas. Et pour les utiliser, vous n'avez plus qu'à prendre une dosette, de la mettre directement dans votre tambour, comme une dosette de lessive classique, et puis voilà, votre lessive est faite. Si cette recette ne vous convient pas, que vous préférez la lessive liquide, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist, je vous montre comment faire la lessive au savon de Marseille liquide. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me mettre vos résultats sur Instagram, et je vous fais de gros bisous.